Nous avons ici un projecteur solaire. Alors, je parle de projecteur à cause de sa puissance. Si vous regardez ici ce que ça donne, c'est vraiment totalement éblouissant. Alors, sa facilité d'installation est remarquable puisqu'il suffit de fixer le panneau solaire dont la grande qualité est d'être en déporté. Ensuite, de le relier à la lampe via le câble de 4,50 m. Et la lampe peut être installée simplement par deux vis à l'endroit voulu, même à l'ombre ou même à l'intérieur, puisque elle n'a pas besoin d'être au soleil. Elle a des panneaux lumineux latéraux, il y a 300 LED au total, ce qui permet un éclairage vraiment à 180 degrés. Le détecteur de mouvement est placé ici, bon, il capte à peu près à 3 à 5 mètres, alors dans mes tests à peu près jusqu'à 5 mètres en mouvement de face, et en latéral 3,50 m sans problème. La visserie est fournie, vous avez un goujon pour fixer le panneau solaire, et des vis pour fixer la lampe ou pour fixer le panneau solaire également. Le goujon est recommandé si vous fixez ça à un mur à cause de la prise au vent possible. On voit qu'ici le support est complètement orientable, ce qui permet vraiment de placer le panneau solaire à l'endroit voulu, orienté vers l'ensoleillement maximum. La lampe est équipée de deux batteries type 18650 qui permettent une bonne autonomie malgré sa puissance. Franchement, j'en suis ravi. Alors, avec le bouton, en appuyant une fois, vous activez le mode 24/7, c'est-à-dire qu'elle fonctionne 24 heures sur 24, tant qu'il y a de la batterie, bien sûr. Et en appuyant deux coups, vous activez le mode en luminosité réduite, c'est-à-dire que la lampe va s'activer que lorsque le soleil se couche et s'arrêter, enfin le fonctionnement, la détection de mouvement s'arrêtera au lever du jour.